Que c'est Madro, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Alors aujourd'hui nouveau tuto. Et aujourd'hui on dessine Nezuko comme vous l'avez voulu, en raison du sondage que j'ai fait sur ma chaîne. Donc sans plus tarder, sortez vos crayons et vos stylos, car c'est parti pour le tuto comment dessiner Nezuko. Let's go. Ah oui, et n'oubliez pas d'aller vous abonner à mon Instagram. Pour réaliser ce dessin, vous aurez besoin d'un crayon de papier, d'une gomme, d'un feutre fin noir, d'un marqueur noir. Il vous faudra aussi un blanco et de plusieurs feutres à alcool. Mais avant de commencer votre dessin, tracez un quadrillage de 7 carreaux de 4 cm de longueur et de 5 carreaux de 4 cm de largeur. Alors on commence par tracer la chemise de Nezuko en commençant un trait qui part du milieu de la case 3 et qui va jusqu'au milieu de la case 2. Ensuite on commence à tracer un deuxième trait au milieu de la case 3 qui va s'arrêter au milieu de la case 2 et ensuite on relie pour faire le bout du col. Ensuite, on commence à dessiner le bambou de Nezuko. Maintenant, on continue à faire le col de son kimono, en faisant un trait qui commence au début de la case 3 et qui passe par l'intersection entre la case 3 et case 4. Et après avoir terminé ça, on va retourner sur le bambou. En commençant un trait qui part de la troisième case et qui va s'arrêter jusqu'à la cinquième case. Ensuite, après avoir fait le côté gauche de la tête de Nezuko, on va s'attaquer au haut du crâne en faisant un trait qui va monter tout en haut de la cinquième case, puis redescendre jusqu'en troisième case. Maintenant, on va commencer à dessiner son menton. Après avoir terminé la structure de sa tête, on va commencer à dessiner ses cheveux. Thank you.
dessiner les zones d'ombre dans ses cheveux. Bon, maintenant on a terminé avec toute la structure de la tête de Nezuko, maintenant il ne reste plus qu'à dessiner son visage. Je commence par l'œil gauche de Nezuko. J'avais oublié de préciser que Nezuko avait des yeux assez gros. Maintenant, je m'attaque à l'œil droit. Thank you.
après avoir terminé de dessiner les yeux, maintenant on s'attaque au nez qui est très simple, qui est juste deux petits traits et un petit rond au-dessus pour faire l'ombre. Et maintenant, on s'attaque aux pupilles. Voici à quoi doit ressembler à peu près votre croquis final. J'ai rajouté quelques petites ombres et des reflets dans les yeux. Bah maintenant on peut passer à l'ancrage. Pour colorier ce dessin, il vous faudra plusieurs couleurs telles que du vert, du beige, du rose, du gris, du noir et du violet. Donc voici le résultat après 2 heures de dessin, j'espère que le résultat vous plaît. Proposez-moi en commentaire un personnage que je dessinerai et que j'en ferai un tuto. Sur ce, tu peux liker la vidéo, t'abonner, bref, tu fais comme tu veux. Sur ce, salut !